Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bravely Default 2. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons nous attaquer à l'abîme de la nuit une fois de plus, avec cette fois les compétences de Brave, enfin la classe de Brave. Comme vous pouvez le voir, comme vous avez pu le voir, c'est quoi, il y a quoi là? Ok, j'ai l'impression qu'il y avait un truc. Bref, les ennemis me fuient. J'ai farmé un petit peu. Le truc c'est que je n'ai pas niveau 12 les compétences de Brave, les classes de Brave, mais voilà, je suis 11 avec Cess, 10 avec Elvis. J'ai quand même l'impression d'avoir eu suffisamment de choses, je vais vous montrer voilà, peut-être avec celui-ci, histoire de voir un petit peu les compétences, comment ça se joue. C'est assez intéressant de jouer Brave, mais je vois pas en trop en quoi contre le boss final ça va nous aider en fait. Parce que vous voyez, Cess il a beaucoup de PV du coup, il est passé à 8000 PV. Et on a Bravoure qui nous fait giga pesanteur. Alors bon, je n'ai pas assez de PM pour le moment. Donc on va juste faire une Odyssée qui va nous faire gagner des PB régulièrement, mais les ennemis aussi. Mais c'est pas particulièrement bien grave. Sachant que Elvis et Seth ont tous les deux la résistance là, ou revanche. Quand ils subissent des dégâts, ils ont 25% de chance de gagner un PB. Et en gros, l'avantage c'est que eux ont des PV. Enfin, donc cette compétence inflige des dégâts même aux alliés, du coup ils peuvent gagner des PV sur cette action là, donc ça peut être intéressant. Vol, toi tu fais toujours beaucoup de dégâts, ça fait 6000 et l'autre encore 6000. On a pas mal de PV, donc c'est pas mal de donner des PV à Gloria. Vous voyez, elle a encore ses 4 esprits, parce que en fait les esprits disparaissent quand elle a plus de PV à la fin du tour, donc c'est intéressant, elle commence avec plus de PV. Et là on peut utiliser les PB notamment pour faire de la dévotion et rendre en fait à Seth et à Elvis et bien des PM. Et là Gloria, vous voyez, on va faire par exemple Bravoure, on peut faire derrière Tempérance pour refaire gagner les PB à ceux qui en ont moins. Donc en gros l'intérêt ça serait de Elvis et Adèle, on leur fait cracher les PB, ou Seth on leur fait cracher les PB. Ensuite ils sont donc en négatif, et ensuite on a Elvis ou Seth qui utilise Tempérance pour les faire passer à zéro, et les adversaires qui ont gagné des PB avec, avec notre Odyssée d'avant, et eh bien redescendent à zéro aussi. Donc ça c'est assez intéressant. Mais là on va faire la giga pesanteur, pardon, 75% des PV actuels. Donc c'est, oui, on a 6000 dégâts, enfin on a 6000 PV, donc quand on en a 8000 on fait plus de PV. Mais là on va s'en débarrasser, je pense, voyez, on fait 2000 dégâts. Et en plus, il y a un passif, quand on tue un ennemi, on gagne un PB. Alors c'est pas forcément le plus intéressant pour là, mais j'aurais bien aimé rendre des PV en fait à Fab Victorious, nombre de combats gagnés. Alors, vous voyez, ça fait pas énormément de dégâts. Le truc, c'est que on a aussi une frappe qui utilise des PB. Bon, elle, plus elle utilise de PB, plus elle fait de dégâts, je crois. Donc c'est intéressant de faire ce genre de choses. Par exemple, vous voyez, on fait 9000 dégâts, enfin c'est assez débile. Mais je voulais dire que j'ai l'impression que je suis pas du tout au bon endroit, mais ah merde. Je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai zappé. Merde, j'ai zappé. Ah si, voilà, par rapport on a aussi entraînement, inflige à une cible des dégâts physiques qui dépendent du temps de jeu en minutes, donc ça fait aux alentours de 1200 aussi dégâts, 3200, ça fait 3200 pardon, ce qui est pas mauvais hein, parce que c'est 3200 toujours, mais si vous êtes en PLS, je pense que c'est intéressant de faire tourner le jeu, juste faites tourner le jeu, ça augmente le temps de jeu, et puis derrière... je pense que vous avez une compétence qui fait pas mal de dégâts. Spiritisme, là on va se mettre en défaut. Pas très intéressant, vous allez voir pourquoi. Mais Elvis fait bravoure, il fait tempérance, et là, paf! Seth et Adèle, ils regagnent leur PB. Et derrière on peut faire une Odyssée, enfin bref, vous commencez à comprendre le principe. On rend tous les PV à Seth. En plus l'avantage c'est qu'ils ont gagné en rapidité en étant brave. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis, bon voilà, Adèle elle fait masse de dégâts aussi,
Et j'aimerais bien qu'en fait lui débloque le 75%. Donc il faudrait qu'il passe niveau 11 pour faire ça. Tempérance, non ça sert à rien, on va faire une hyper pesanteur. L'avantage c'est que vous voyez, lui il fait 5000. Vous vous dites pourquoi il fait 5000 alors que c'est 50% des PV et qu'il a 6100 PV. Il devrait faire 3300 dégâts normalement. Et bien la réponse elle est très simple. C'est que Elvis augmente les dégâts qu'il inflige. Quand il fait des dégâts sur les plus gros ennemis, enfin sur un groupe d'ennemis. Donc en gros c'est très pratique pour farmer ce qu'on fait là. Mais je suis pas sûr que ce soit très efficace contre le boss final. Mais étant donné que je suis en avance sur les compétences d'à peu près toutes mes classes, enfin d'à peu près toutes mes... Enfin bref, je suis à niveau 60 quoi. Les monstres n'ont pas l'air de... Enfin, ont l'air de me fuir. Donc je pense que je suis largement au niveau pour aller l'affronter. De toute façon, l'abîme de la nuit, on l'a déjà battu, même sans la compétence de bravoure. Donc je suppose que c'est juste au niveau scénaristique qu'il nous faut avoir brave. Ça se trouve, on n'a pas besoin de l'équiper en fait. Mais j'avais envie de l'essayer et je pense que elle est assez intéressante. Alors on va quand même se mettre l'objet, la tente là, hop, histoire de se récupérer à des PM. Le truc derrière, c'est qu'il faudrait aller chercher dans les autres zones, vous savez, les hôtels pour augmenter les niveaux. Pour augmenter les niveaux jusqu'à niveau 15, pour qu'on ait plus de compétences. Honnêtement, je ne vais pas le faire. Parce que c'est du bonus extra. Mais voilà, c'est pour prolonger la durée de vie du jeu, mais ça m'intéresse pas pour le coup. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Entendu, ouvrez le portail. Même si le gameplay il est sympa, mais je veux avoir la vraie fin. Reculez, ne laissez pas vous toucher. Hop, est-ce que c'est une nouvelle cinématique ou... Non, je pense pas. Hein. Alors, ça doit être la... Bon, on l'a déjà vu. Hein. On l'a déjà vu. L'intérêt, ça serait de le battre. Et de voir la nouvelle cinématique maintenant qu'on a la compétence bravoure. Je sais pas si techniquement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va avoir une nouvelle forme? Rien ne sera abordé, blablabla. Il est pas content. Nous faisons qu'un. Bravoure. On va faire une odyssée. Hop. Parce que nous c'est 4 PB gagnés pour lui 1. Donc ça fait pas beaucoup. Derrière, il craint la lumière. Frappe victorieuse. Non, nécromancie. Il craint la lumière. Là, j'ai ça. Il fait 1140. Magie blanche, spiritisme. On va se rajouter un esprit de ravitalisation. Comme ça, on gagne vraiment des PM. Ok, vol. On va faire vitesse divine, évidemment. On va même en faire deux. Ok, il fait des ripostes. Bravoure. On va faire la giga pesanteur. Ça fait quand même 5000 dégâts. C'est pas négligeable. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. Inflige à un seul ennemi une puissante attaque physique et octroie un PV supplémentaire à tous les alliés. Pas mal, on va essayer. Ça fait PB et du coup, combien de dégâts ça fait? 4400, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Hop, elle prend cher. Il y a tous des PB. Elle, de toute façon, faut en utiliser parce que sinon, on va être en problématique. Donc, spiritisme, auréole, je pense qu'on peut utiliser ça. Hop. On sait jamais, hein. Ok, lui, il gagne des PB, vous voyez. Et il reprend des dégâts derrière. Lui, on va le faire pareil. Art de l'épée. Et là, on a l'art de l'épée. Posture stable. Et derrière, on peut faire des attaques. Je pense qu'il prend des dégâts, hein. C'est des dégâts à 1000. Ouais, on a fait quand même pas mal de dégâts. Vitesse divine, on va en utiliser deux. Hop, hop. Waouh, voyez les dégâts, voyez les dégâts. On lui a fait 30 000 dégâts là. Je régnerai sur tout, tout viendra à moi. Blablabla, blablabla, blablabla. Gras, pas content. Ok, là il nous fait mal. Il nous fait assez mal, hein. On peut le dire. Aïe, ok. Et là il reprend 9 000, il crève. Ok. À mon avis, il est pas très en forme, là. Ah ben voilà. Il est pas en forme du tout. Grargue.
Ok, donc là maintenant le bravo va être un peu plus utile. Étant donné qu'il y a plus, il va y avoir les deux mains en même temps, on va faire les dégâts sur les deux mains. Ok, ok. Donc là, bravoure, on va faire. Il a combien? Il a 0 PB. On va faire une Odyssée. Aïe. Par contre, on va faire ça. On va le faire maintenant, comme ça, ça va lui mettre 9000 dégâts. Enfin, 9000 PV, pardon. Et derrière, ça le rechargera quand on en aura besoin. Hop. Ok, ensuite. Ah, il a pas encore ses mains. Non, c'est vrai qu'il a pas encore ses mains. On peut faire une... On peut faire ça, hein, cela dit. Hop, 15000. Vol, on va faire vitesse divine. Vitesse divine, on va y aller, hein. 4000. 4000. En fait, quand il a moins de PV, ça, la vitesse va faire encore plus de dégâts. Là, on peut faire une giga pesanteur. Non, on peut faire une frappe victorieuse. Non, c'est le mieux, c'était entraînement peut-être. Temps de jeu en minute. Ça coûte 2 PV. Ça fait que 3000. Pas le plus important. C'est pas le plus intéressant. Hop. Ok, on a tous gagné des PV. Il lui reprend des dégâts. Spiritisme, du coup, ça sera intéressant. Sidéral, il craint la lumière. Il craint la lumière. On peut faire sidéral, hein. Cela dit. 2200. Pas dégueu. Bravoure. On pourrait faire de l'art de l'épée. Posture stable. Ça fait quoi, ça? Posture stable. Inflige 4. Ouais. Ça me paraît bien. Taille stable. Voir combien de dégâts il fait. 7... Ok, c'est pas beaucoup. Vitesse divine. 4900, ok. Ça pique. Ça pique un peu. Adèle, elle prend vraiment zéro dégâts. Je l'ai mise en... Je sais plus en quoi elle est, Adèle. Si, elle est en voleur, mais elle est en... Elle est voleur et je sais plus quoi. Si elle est toujours domptrice. Ouais, c'est ça, elle est toujours domptrice. Art de l'épée. J'en ai plus besoin de ça. On pourrait faire ça. Ça donne des PB. Après, on n'a pas vraiment besoin. Il a un PB. Art de l'épée. Ok, c'est peut-être mieux ça. Ouais, ça, c'est mieux. Ok. Ça, c'est pas mal. Il reprend 4000, il prend cher. Spiritisme, on va faire magie blanche. On va soigner tout le monde et on va le refaire en fait. Hop. Art de l'épée. On va faire la coupe cardinale. C'est pas dégueu. Vitesse divine. Vitesse divine. 7000, ok, ça c'est cool. Lui, elle prend ça. Pourquoi Elvis il peut pas attaquer? Il est en... Ah voilà, il était en... Il était... Elle est quoi, là? Elle a pris quoi? Elle a pris Contagion, ok. On va faire une bravoure. On va faire une... Odyssée. Et on va faire une hyper pesanteur. 3700, ouais. Magie blanche. On va refaire un spiritisme, histoire de gagner les... Les trucs, et on va faire un esprit de... De quoi? Petite auréole peut-être? Allez. Art de l'épée, coupe cardinale, paf paf paf, ça fait pas mal de dégâts. Je suis en x4, j'ai pas réalisé, ça doit vous niquer les yeux. Pour farmer, c'est plus simple en x4. Bravoure. Hyper pesanteur. 3000, en x4 c'est pas mal, hein. 3000, ok, là on prend cher, vol, vitesse divine, paf, à mon avis là il crève, hein. Ouais, là il crève, très bien, ne jamais pardonner, ne jamais oublier, blablabla, bla, bla. Il va nous mettre ses mains, non, blablabla, nous sommes dans l'assaut, ouais c'est ça, il y a les mains. Hop, je n'y crois pas. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Évidemment qu'on a la force de se battre. Ok, il n'y a rien de nouveau. Tintin. Imbécile idiot, il vient de me défier. Mais rester, c'est comme rester au reflux. Blablabla, je ne sais que se dire. Blablabla, tout devient ratin. Je suis méchant. Ok. il a pris cher là. Art de l'épée. On peut faire une spéciale. 19000 dégâts, c'est beaucoup quand même. Mais merde, il était en défaut lui. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça sur sa main en défaut. Hop, on gagne un PB. Gloria qui a 3 PB, ça c'est cool. 2500, ouais. Il était en défaut, c'est pour ça.
Spiritisme. On va faire magie blanche. On va mettre du soin sur Cess. On va mettre l'auréole sur nous. Et on va mettre spiritisme. On va mettre un esprit de soin. Je pense que c'est pas mal. Un supplémentaire. Hop. Il fallait que j'ai de toute façon qu'un seul PB à la fin du tour, sinon je perds les 4 esprits. Donc c'est un peu dommage. Bravoure. Il a quoi PB? Il a ça. Je pourrais faire une tempérance pour lui faire perdre ses PB, mais je suis pas sûr que ce soit intéressant. Peut-être que l'Odyssée est cool. Ou alors je fais une hyper pesanteur. Après ça, il est en défaut le machin. Mur de déboire, ça fait quoi? Provoque chez tous les alliés et tous les ennemis la perte d'un PB 3 fois intervalle régulier. Alors ça c'est pas le plus intéressant. Enfin derrière on fait tempérance mais... 25%, on va faire un 50%, je pense que... Il est en défaut quand même mais ça fait 3000, ok. On va faire une vitesse divine. 4000, ouais c'est pas mal. Ok, Elvis elle a disparu, Gloria. Ok, ok. Lui, il est déjà de retour. Vous voyez, Elvis, il a gagné en PB. Bravoure. On va faire giga pesanteur x2. Hein. Enfin, x3 même. Il prend 5000. Enfin, 6000 presque. Ouais, c'est ça. 5800. 5800, ouais. Franchement. Franchement, on l'a éclaté. On va faire un dévotion. Sur Adèle. Hop. Il faudrait qu'Elvis... Ok, ça dégage. C'est bien, Adèle, il prend 0 dégâts. Il faudrait qu'Elvis elle fasse une Odyssée. Hop. Bravoure. Giga pesanteur. Non, on va faire du coup une coupe cardinale. Ça fait 9000. Il a pris cher, ça nous soigne, c'est cool. La cure, c'est cool. Les PB, c'est cool. Spiritisme, on va faire une dévotion sur Seth cette fois. Hop, là vous voyez, on gagne des PB. Bravoure, 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 on a plein de PB. Il craint toujours la lumière, on va pas faire ça, on va faire l'hyper pesanteur, hein, c'est toujours ça. 3400, en fait il inflige plus de dégâts quand il y a plus d'ennemis sur les dégâts de zone, donc. C'est plus intéressant car il y a plus d'ennemis, mais bon, c'est pas bien grave. Il faudrait, hop, vitesse divine. On va lui mettre des vitesses divines. Hein. 7800 à 8100. Vous voyez, les dégâts qu'on lui fout, quoi. Là, on perd des PB, ça c'est assez relou. On perd des PM, pardon. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Et repaf, paf, paf. Là, il est en PLS, blablabla. Souvenir de cette fin, impardonnable. Ok. Spiritisme. Un truc qui serait cool, c'est de donner des PB à Adèle, les trucs, mais elle va en perdre, non? Elle va les perdre. Là, on gagne des PB, ça c'est cool. Ok, ça a été cure. On a déjà l'Odyssée. Ah, de toute façon, il va prendre des dégâts. Embrasement, ouais. Aïe. Ah, il a repris ça, mais il devrait prendre des dégâts quand même. On a la furie. Ah, il a perdu les... Merde, il a perdu les... C'est ça, il a perdu les dégâts. Spiritisme. On va faire magie blanche. Hein. On a oublié de soigner Elvis, là. Ah merde, on a perdu Gloria. Ah non, celle-là... Ok, on n'a pas perdu Gloria. Elle a plus de PM, elle. Ça, c'est chiant. Quand même pas mal en attaque. Mais... Ok, on a perdu 16. Ça, c'est relou. Il est revenu. On va faire un spiritisme. On va faire un revitalisation. Parce qu'on a besoin de PM, là. Si on pouvait en gagner deux fois par tour. Bravoure, bravoure, bravoure. On va faire une Odyssée.
Ouais, on va faire une Odyssée. Et ce qui est intéressant, c'est de faire une Tempérance. Ça fait perdre 2 en face. Bon, on en perd chez nous aussi, ça c'est un peu con. On va faire un objet, on va lui rendre des PM, tiens. 180 PM. Hop. Ok, ça c'est en défaut, c'est relou. Vol, on va faire un vitesse divine. Hein. Il est en défaut, donc c'est un peu relou. Là, on gagne les PB. Spécial. Ah, voilà. Je pense qu'on peut faire la tempérance, là. J'ai pas envie de... Ouais, 3, ça suffit, hein. Comme ça, on lui fait perdre les PB... Cess ne les perd pas d'ailleurs, vous avez vu? C'est assez intéressant. On va faire une dévotion sur Cess d'ailleurs. Hop. Il a toujours la furie. Ok, là on gagne des PM, ça c'est cool. Et vous voyez, ils ont qu'un seul PB. Il repère des PM, ça c'est chiant. Ok, ça c'est cool. Adèle, s'il te plaît. Non. On va faire ça sur lui, comme ça on le tue. Et on regagne des PB de l'autre côté. Paf. Il y a eu des dead. Ça c'est plutôt cool. Ok, elle perd des PM, ça c'est pas cool. Magie blanche par contre, on va se soigner. Voilà. Ça me paraît bien. Non, mais ça c'est chiant par contre. Paf. Paf. Vous voyez les dégâts qu'on lui fout, quoi. Et derrière, il les reprend. Hein. Mais il est dead en fait là, non, c'est ça? Mais il revient à la vie. Non, il revient pas à la vie. Je ne vois qu'une solution. Ah, c'est peut-être là ça va changer. Il faut isoler Magmel, le placer dans le lieu à part, le fuir dans le temps. Attendez, mais... Cet endroit deviendra une cage dans laquelle se mal, blablabla. Nous devons combattre. Ok, ok. Je ne me parle pas que... Attendez, c'est pas la bonne... Quoi, le temps? Toutefois... Tu restes avec tes amis? Attendez. Mais pourtant, on a le truc de... On a le brave... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ah mais il nous a piqué les astérisques, non? C'est pas ça? Oui mais c'est bizarre, attendez. Je comprends pas. On a le brave, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Ici, Kezako. Je ne comprends pas. Toute la faute de ma sœur, blablabla. Mais on a le truc brave, je comprends pas. C'est vraiment la fin en fait. Je peux pas la passer. Ah si, merci. Mais je comprends pas. On avait le niveau. Mais qu'est-ce que donc? Mais qu'est-ce que donc qui se passe? J'étais pourtant en brave. Il n'y a pas de... Il n'y a rien en fait, ça ne change que d'elle. Changement de tenue, vous retrouvez au point de sauvegarde situé juste avant la fontaine du savoir. Bah ouais, mais... Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fucking change? Je comprends pas. Faut que j'y retourne là, peut-être.
Maintenant que je l'ai battu avec le brave, ils me refont un truc, faut que je refasse quelque chose. Ah non, il se passe rien. Hein. Y a rien de nouveau. Hein. Si je lui parle, il se passe rien. Bah non, y a rien du coup. Y a que dalle. Y a que dalle. Bah c'est quoi cette arnaque? Écoutez, je vais faire des recherches sur internet et j'irai voir ce qu'il faut faire. Mais je pensais que... Voilà, pour le coup, je vais faire des recherches parce que... What the fuck? Je vais essayer de pas me spoiler s'il y a une autre fin, mais je vais essayer de voir comment ça se déroule. What the fuck? Bon, bah écoutez, je vais mettre en pause l'épisode et je reprends une fois que j'aurai fait la recherche, comme ça je vous tiens au courant. A tout de suite. Bah je sais pas. Il semblerait que j'ai fait le con. Et j'ai pas l'impression que je puisse faire quoi que ce soit. À propos de ça. Non, je voulais pas... j'aurais dû... À la fin... Non, pas tempérance. À la fin du... Du combat précédent... Pas du combat précédent, du... De l'épisode précédent qu'on a tué pour avoir le truc de brave, j'aurais dû sauvegarder sur un truc de sauvegarde, je comprends pas. Il est censé y avoir un genre un fichier de sauvegarde supplémentaire. Et comme j'ai sauvegardé ici, j'ai l'impression que je me suis auto-niqué. J'aurais pas dû sauvegarder sur mon propre fichier de sauvegarde. Là, j'ai fait vraiment l'abruti. Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai déjà le brave, donc honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Parce que... Ça me dit que une fois... je vais vous lire, hein. Attendez, je vais... Pas ici avant d'avoir atteint le minimum 80, niveau 80, mais c'est une blague. Attendez. Je suis dans quel chapitre là? Dans quel chapitre suis-je? Non mais ça c'est... Ok, on est dans le site, on est dans le 6 là, on est d'accord. État. Carnet de voyage. Histoire principale, parler à Dame Esmeralda. Ben oui, mais je l'ai fait ça. Chapitre 5 et plus. C'est à notre tour d'agir en héros. Ah, c'est peut-être là qu'il faut que je... C'est là qu'il faut que je revoie. Parce que après votre victoire sur l'esprit, vous débloquez la série du brave, puis assistez à une nouvelle cinématique. Au cours du au terme de celle-ci, quittez les lieux et ouvrez le menu de sauvegarde. Sur cet écran, sauvez votre partie sur l'étrange bloc violet. Mais sauvegarder l'étrange bloc violet qui vient d'apparaître au bas de l'écran. Mais je n'ai pas ça. Je ne comprends pas. Oui, mais non. Je ne comprends pas. Vous voyez, il est censé y avoir un truc, mais je ne comprends pas. J'aurais pas dû recharger ça. Parler à Dame Esmeralda, mais... Il faut que je rebaste le boss. Mais non, mais je comprends pas en fait. J'ai déjà le brave. Je comprends pas. Parce que j'ai déjà le...
Blablabla. Continue dans cette direction. Portail. Faut déclencher le combat contre la Bible de la nuit. Blablabla. Et battre le rosé. Ok, après sa seconde défaite sera pas une troisième fois. Enfin, deux mains gigantesques. Après votre défaite face à la Bible, une cinématique se déclenche et l'aventure prend fin une fois de plus. Sauvegardez donc partie avant de la relancer pour découvrir qu'il s'agit d'une vision du futur. What a twist, oui. Au terme de cette séquence, quittez Magmel et rendez-vous au ravin des soupirs à l'est d'Alcyonia. Une fois là-bas, rejoignez la tombe de Mistersone pour affronter son esprit dans un terrible duel. Mais on l'a fait, ça. Pour vous en sortir face à cet adversaire, ne vous pointez pas ici avant d'avoir atteint au minimum niveau 80. LOL. Après votre victoire sur l'esprit, vous débloquez la salisse du bras, puis assistez à une nouvelle cinématique. Ben oui, mais non. Je ne comprends pas, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Alors, je suppose que c'est buggé. Et je ne sais pas pour quelle raison. Du coup, je vais aller voir si je ne peux pas... on va dire forcer le début du prochain chapitre. En allant voir le chapitre 7, le dernier chapitre. Rendez-vous à Alcyonia à discuter avec la vieille femme. Ok, il faut que j'aille à... voilà. On va aller à Alcyonia et voir s'il se passe quelque chose en allant là-bas. J'ai pas sauvegardé sur le chapitre machin, mais je ne comprends pas comment je fais ça. C'est buggy en fait, je pense. Parce que là, si vous me dites que je dois refaire les 5 heures, je m'arrête là, hein, je vous le dis clairement. Hein. Si je dois repasser du niveau 65 sur la sauvegarde, là ça va pas le faire du tout. Parce que je peux même pas, vous voyez, je suis allé voir... comment il s'appelle? Je suis allé voir... La tombe de Sloane, je peux pas la redéclencher. Elle est où la vieille dame? C'est le bateau là-bas. Je peux pas lui parler à elle. Revenir au port, partir. Et non, 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 il se passe rien. Non, non, c'est vraiment buggé. Je vais aller voir, écoutez, je vais aller voir sur une autre... Moi, je comprends pas. J'irai voir sur une autre Solus. On va s'arrêter là pour cet épisode et c'est bizarre. Voilà. On verra bien. Ciao, ciao tout le monde.